Haïti c'est Fresham, comment nous y est? Jeudi, c'est mardi, 8 octobre 2024. Nous comptons rentrer la caillou, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous là. Pour nous porter information pour vous, pour nous brasser l'idée sous des éléments importants et dans ça qui vient pour avec actualité politique là. Depuis hier, et nous avons constaté sous toute toile là, c'est famille Lavalas, c'est yo qui a l'honneur, nous gagnons la directoire famille Lavalas au grand complet et qui présent, ça c'est Major Jean Patillon. Nous gagnons Pacha Vob qui lui-même li là. À côté Pacha, n'a pas gardé Marise Narcisse qui pas jamais pas là et nous gagnons Jodson Diogène qui lui-même c'est porte-parole famille Lavalas. Yo te débarqué Lavalasement pour yo venir supporter et Leslie Voltaire joueur yo poulain yo qui intronisé comme coordonnateur Conseil présidentiel transition. Suite avec et passation, est-ce que nous avons dit passation de pouvoir? Nous pas même qu'à parler de passation de pouvoir, vu que Edgar Leblanc et quelques heures de temps avant cérémonie pour yon introniser Leslie Voltaire, Edgar Leblanc l'ité dans villa d'accueil, l'ité dans bureau li, et tout de suite 2h30 là pral rive Edgar Leblanc, li ramasse tout bas clan clan, li prend machine ni sécurité, li quitte espace là pour négo pour gérer les affaires pouvoir. Edgar Leblanc la gepiel, donc nous pas ka parler de passation de pouvoir mais n'a prêté plutôt dans intronisation et Leslie Voltaire. Gagne plusieurs bagay ka parlé dans la rue. Gagne son la rue et yon l'autre bon gagne sa ka passe na place politique là au plus haut niveau. Que ce soit au niveau de CPTA ou bien pas bon côté CPTA dans l'autre point là au niveau de la primature, c'est comment yon wè ascension, c'est comment yon wè intronisation Leslie Voltaire comme nouveau coordonnateur qui remplace Edgar Leblanc. Nous gagnons ambassade américaine et ambassade pays la France qui ont même yo réagi parce que yo pas présent, yo pas répondre présent ambassadeur, yo pas assisté à passation de pouvoir là, intronisation, c'est préféré changer d'affaires yo te voyez. États-Unis pas présent, la France te voyez changer d'affaires li et gen moun qui interprète la façon par le fait que ambassadeur américain qui toujours là, qui toujours bail l'ordre dans question pouvoir, li pa vin assiste intronisation. Leslie Voltaire gen moun ki di États-Unis pa campé pas favorable pour Leslie Voltaire. Gen l'autre ki di partisan, c'est partisan famille Lavalas même yo di carrément, c'est parce que États-Unis pa ka vin bay Leslie Voltaire l'ordre, yo pa ka utiliser Leslie Voltaire. Donc yo konn ki yes Leslie Voltaire de tempérament, c'est ça fait et ambassadeur a pa met pied. À tort ou à raison, nous connaissons yon invitation son courtoisie. On ambassadeur répond vie privée, li pa répond tout vie privée, parce que job ambassadeur yo, c'est pas vin fait ingérence dans politique yon pays, c'est pas vin passer l'ordre dans vie politique yon pays, mais plutôt c'est rete dans limite ou fait travail pays ou dans pays d'Haïti. C'est ça nous connaissons bagay lan tadwe. Cependant, nous constatons dans dernier temps ça yo, comment question ingérence sans comment li présent nan relation Haïti ak lòt peyi yo. Nou pral ba ou détail. Nou genyen Guy Philippe ki pale ak ministre affaires étrangères lan, madame Dominique Dupuis. Guy Philippe klè, sans équivoque. Nou pral konnen nan bon ti mamit ki sa intervention Guy Philippe lan ye, rete la. Et yon lot bon, nous gagnons un message important, plateforme politique Guy Philippe là qui s'est frein, li voye bay peuple haïtien. Haïtien qui n'a quatre coins pays d'Haïti. Message ça c'est pour vous. Et paratel sous aucun prétexte, si ou di ou pas d'accord avec système ça, ou pas d'accord avec jeune nèg yo mené l'État, ou pas d'accord avec mauvaise gestion, avec corruption, avec vol, détournement de fonds qu'a fait dans l'État, eh bien, avant le trop tard, faut nous prendre responsabilité nous. Si on a des formations, nous prenons gagner pour nous partager ensemble avec vous dans l'émission pour aujourd'hui. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber sur ce channel là ou sous TAC 509 tout haïtien connecté. Pas hésiter, abonner, activer petit cloche de notification. Ou après connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo n'a gagner et pour nous poster. Nous gagner compatriotes haïtiens frères yo, n'a commencé
émission, on a commencé émission avec photo si là. Là on a regardé li, nous dans villa d'accueil, ça c'est et conseil président yo là qui réuni, on a regardé yo, yo campé red compiquette, bon. Pas j'aime pas comprendre comment Smith Augustin campé non li. Li toujours en forme, pas comme si c'est parce que le coûte là, si c'est parce que le petit vote là, on va prendre vote là gros. Et d'ailleurs, yo di Sénégal gros votre cap mené depuis non pouvoir depuis vent ou pas gros ça veut dire pas gain corps ou pas voler donc n'a regardé là nèg vent nèg yo commencé gros seul Régine Abraham pour comprendre ni ti vote li elle votre la vini oui bon bref là n'a regardé nous ouais c'est conseil présidentiel transition hein? Et nous gain la 8 mob dans conseil là manqué youn qui c'est Edgar Leblanc fils qui lui-même li pas présent. Non, passation de pouvoir, là, pas de présent pour introniser l'esprit Voltaire. Nous avons Emmanuel Bertiller tout en blanc vertu. Et représentant Moïse Jean-Charles, petit de Saline. Bon, là, nous avons vidéo Moïse Jean-Charles pour nous, nous avons saisi net. Nous avons saisi, oui. Nous avons Akon Montana, Fritz Alphonse Jean, finalement Fritz Jean pour le président. Et oui, il a bien pour le président, donc il n'a pas mourir encore. Nous avons Laurent Saint-Cyr, représentant secteur privé. Qui lui-même li présent. Nous gagnons observatrice Régine Abraham qui présent. Nous gagnons président son excellence monsieur Leslie Voltaire qui prend Rennes CPTA. Nous gagnons et l'autre observateur docteur Frinel Joseph en dedans CPTA. Nous gagnons Smith Augustin. Nous avons Smith Augustin, l'homme BNZ, qui est à côté de son acolyte, docteur Louis-Gérald Gilles, encore l'homme BNZ, et dans l'autre extrémité, c'est encore toujours l'homme BNZ, Emmanuel Bertiller. Donc, là, nous avons un conseil présidentiel transition. Il a fait photo ça, qui c'est photo officielle, intronisation de l'esprit Voltaire. Là. Mais nous avons également la valasse qui était là au grand complet. La valasse qui était là au grand complet. De pou wè Pacha Vob on côté ou wè Jean-Bertrand Aristide. De pou wè Maryse Nancy son côté ou wè Jean-Bertrand Aristide. De pou wè Johnson Diogène on côté ou wè Jean-Bertrand Aristide. Moi même m'té obligé mandé pou yo chercher pour moi est-ce que Aristide pas présent. Parce que j'entendais Lavalasse dit Lavalasse débarqué devant villa d'accueil partisan militant kon bagaille en même flou. Yo même dim, et m'bral montre nous mes amis m'pa fè menti. A ta paran mè dem gen te change kop, paran mè dem kop poko chante trois fois, li gen te renye. Gérard Gilles, kounyan se la valasse tep kale, la valasse rougie. Donc là, la valasse te présent, et matin, m'tap tande Pacha Vob, ki li même li déclare, li dit que, fomi la valasse tout entier, li de charismatique lan à la tête, en parlant de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, yo paré pour yo supporter tout ça Leslie Voltaire gagne dans agenda. Et pour rappel, m'a dit nous agenda Leslie Voltaire là c'est pas continuité agenda et Edgar Leblanc parce que conseil présidentiel transition et c'est là échec là et c'est là nous pral comprendre ces bagaille pas ces bagaille moun pas ces bagaille ti clan k'ap régler. Conseil présidentiel n'a pas gagné un agenda koto te ka di chaque président yo moun k'ap gagné pour coordonner CPTA ça fait 5 mois mais ça te commencé dans agenda ça a vini mais ça l'a continué ça a vini mais ça l'a continué pas bah comme ça le Edgar Leblanc li rentré comme coordonnateur Edgar Leblanc li gagné propre équipe li gagné agenda li gagné 10 ans 1000 les Leslie Voltaire li vin la, li gen ekip li, li gen agenda, li gen ti zanmi. Et genyen an pil critique sous do Edgar Leblanc. Parce que pas oublier Edgar Leblanc, gen moun ki di Edgar Leblanc, yo pa tab jam, si c'était pour Edgar Leblanc, pa jam doué nan conseil la, parce que Edgar Leblanc c'est continuité PHTK. Pour qui ça yo di li? Pour rappel, en 2014, pour rappel, en 2014, le Mantelli fini mandali, rive nan bout mandal, t'apral genye élection au second degré qui fait dans le Parlement, et Edgar Leblanc, li t'apral en face privée à l'époque,
Edgar Leblanc, c'était candidat PHTK. C'était candidat même équipe, Matéli, même équipe bandit légal. Depuis le ça, Edgar Leblanc, Tachlan était sous dol, Maclan était sous dol, comme moun kap supporté. Équipe PHTK, comme moun kap fait job zal bandit légal. Le Edgar Leblanc vient rentrer dans le pouvoir, vient rentrer dans la transition. Yo tout kembe étiquette PHTK malgré kounye a c'est une coalition, c'est collectif 30 janvier qui jodi a mandé démission Edgar Leblanc, c'est yo qui voye Edgar Leblanc. Collectif 30 janvier pendant tout temps Edgar Leblanc passé pendant 5 mois dans tête transition dans tête CPTA, collectif 30 janvier pas sous son manque. Nous a qui quantité plein, nous a qui volume plein. Nous qui volume plein dans tout micro la presse, il me l'a rebu le présenter tête comme gros expert, mais mon petit coup expert, mon petit expertise non. Edgar Leblanc CPTA pas mal fait sous question sécurité a. Donc même collectif 30 janvier a été armé. Yo té armé en côté Edgar Leblanc. Pour yo Edgar Leblanc tôt ou tard il t'a tombé, yo pas ta faire rien pour y arriver, rattraper pour y arriver récupérer. Gèl ap moun ki di depuis la Edgar Leblanc est rentré en bas avant Moïse Jean-Charles Claude Joseph pour te monter petit bloc indissoluble pour te bay coup d'état dans commencement conseil présidentiel là Edgar Leblanc pas te ka bon moun. Bon bref. Après ou vin tande là moun a parlé d'où c'est Edgar Leblanc qui meilleur dans conseil etc etc, mais au final bon moun yo di Edgar Leblanc bon moun non son façade, parce que n'a pas d'accord avec moi. Pour quand tu te dérives qui gagne dans CPTA, pour quand tu te l'argent moun yo a touché, pour quand tu te privilège nèg yo gagne, Edgar Leblanc pas jamais renoncé à parler une fois. 25 millions de goods et l'argent enseignement qui séparé, chaque conseiller joine 25 millions de goods là. Edgar Leblanc prend pas l'argent tout, le mettel dans poche, il pas renoncé à elle. Il pas dit il pas prendre. Deuxième résidence tout nèg a touché. Pour qui ça entre eux pas défini salaire, yo pas défini comme nèg yo a touché privilège nèg yo a touché. Alors, ce côté coordonnateur, pas de faire rien pour minimiser couyo, pour minimiser les pensions. Ce qui base m'bralvin dou, c'est bon moun, etc. Bon, bref, ça, c'est politique. Nèg yo ka toujours vini avec l'autre stratagème, etc. Mais bon, bagay qui sorte, c'est que, discours Edgar Leblanc fait dans la tribune Nations Unies, tacitement, même moun qui pas d'accord avec CPTA, même moun qui pas vle CPTA, tacitement, yo fait moun vin accepter. Pour qui ça, parce que après discours Edgar Leblanc, ou vin jwenn majorité population vraiment yo content, yo bat bravo, et automatiquement ou acquiesce ou accepte que Edgar te font bon discours dans tribune Nations Unies. On Edgar Leblanc qui se coordonnateur en CPT qui te dit pas d'accord ou pas connait ou pas reconnaître, c'est faut accepter implicitement, c'est faut accepter tacitement que bon conseil présidentiel cap diriger pays. Donc ça vraiment et il était important pour nous te faire le point sur lui. Cependant journée jodi hein, Edgar Leblanc li pas là encore. C'est Leslie Walter Fami Lavalas qui là. Et Fami Lavalas a décidé de faire porter bourre sous pouvoir. Gagné plusieurs bagaille dans Leslie Walter pour le faire. Moi même j'étais vraiment dans l'inquiétude. Parce que Leslie Walter parlait de référendum, il parlait de changer constitution. Et Leslie Walter li parler et li vraiment mettait accent sous question changer constitution, même là elle parlait de question sécurité, de assainissement, de infrastructure, etc. Mais la guerre équipe Lavalas dans moment yo pral mettre CPT et CEP campé, CEP pral gagner pour travailler sous référendum, sous constitution, et nous pral gagner pour nous ouais ça m'ral dit ah oui. Nous, les civils, nous allons passer 5 mois dans le pays, nous suivons pour nous. Dans 5 mois, nous allons gagner une accélération dans la question CEP. Nous allons battre pour mettre CEP en campé, pour CEP à commencer à travailler sur le référendum, pour CEP à commencer à travailler sur la question de changer la constitution. Pour Famille Lavalas, nous allons mettre les graines pour pas là en dedans. Référendum, non, en dedans, changement de constitution. Nous la n'ap suiv. Nadim Deli nous ça. Compatriotes haïtiens frères chèm, n'avancé. Nous gagnons là et un point extrêmement important et qui gen pour et principalement avec question et avec question politique là. Toujours question politique là. Nous gagnons ambassade américaine, j'en ai constaté là qui lui-même yo salué. Yo salue travail CPT. Hein?
Pays États-Unis félicité Conseil transition présidentielle là pour engagement li en faveur en transition pacifique pouvoir. Nous espérons continuer travail à KPTA pour construire un plus bon avenir que haïtien ont mérité. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. M'ba raconter yo féliciter les Voltaire. M'ta de gen moun ki di yo féliciter les Voltaire et cetera et cetera. En tout cas, là nous wè c'est son poste très comment moun yo kon di ba la sec. Ba la sec yo pa met un petit crème sous tête poste pour yo bérer les Voltaire. Ay ba ça. Donc là n'a comprendre vraiment et est-ce que les Voltaire par rapport avec la position de CPTA, est-ce que l'esprit Voltaire, pendant ces mois, pas le passé, est-ce que l'ingérence n'a pas fait même genre? Est-ce que la dictée n'a pas fait même genre? Est-ce que l'agenda a changé? Parce que là, vraiment, bagay yo prend yon l'autre dimension. Gen yon parti extrêmement important, nous pral partager ensemble avec vous. Et hier, bon villa d'accueil, nèg sa yo rele paramètre de mnan, bouche ça, franchement, li pa jam suspend étonné moun. Oh! Kasi, yon grand moun yon sans honte. Est-ce que c'est politique qui fait et pas en mettre dem pour le Jean-Baptiste tout non express partout? Depuis ce côté gen manje, depuis ce côté gen zo kap brasse, depuis ce côté gen bagay kap brasse, nèg yo toujours là? Non. Non, nèg sa yo, franchement, bon côté pour nous croiser avec yo, nous supposer poser aux quelques questions. Nous pas supposé gen pitié pour yo like comme si et non nous supposé poser aux quelques questions nèg ça vous fait payer en trop mal quand même. On nous garder réaction et quelques partisans sympathisants et les Leslie Voltaire qui t'est venu supporter. Là nous regarder qui gens ça te. Mais pas en mettre des partisans famille la valas qui là, je viens parler avec tout partisan président Jean-Bertrand Aristide, quel des partisans petit de Saline, tout peuple là qui là. Et monsieur dit mini nous là, c'est arrangement à faire dans là pour aller installer pour président les Voltaire. Non, c'est président les Voltaire nous allons installer. Beaucoup jamais moi n'exemple comme ça. Pour me dire nous tête prête. Là où on est merdé. Les Voltaire, c'est président Aristide ou MRD. L'OMRD, président Aristide, c'est peuple OMRD. L'OMRD, président Aristide, c'est peuple OMRD. Eh bien, comment comprendre, président Aristide, non conseil présidentiel, pour penser au monde capable de craser. Comprendre? Eh bien, dans ce sens, nous dit, faut que nous apprenions à respecter le leader charismatique, le président Jean-Bertrand Aristide. On apprend à respecter ça. Oui. Président Jean-Baptiste, mais son dérespectant, comment président Aristide, capable de faire un conseil présidentiel pour nous permettre tout pour que nous soyons capables de ce conseil-là. Ça veut dire, pas de respect pour l'idée charismatique là. Comment ça va ça nous dit, nous allons aller merder. Les Voltaire là comme président, c'est président Aristide ou MRD, et l'autre président Aristide, c'est peuple ou MRD. Et bien c'est ça que fait là, dans le moment où on parle là, le peuple a tête prête, et ça me sortit là. Je viens de me dire avec le peuple là, il mettrait des têtes prêtes, les Voltaire nous allons installer la Kounia là. On n'est pas comme même passé, non là. Mouche a gete changé, li gete changé quand n'importe, bon moi, li changé quand Ariel, li vin tombe nan Koni, li pat nan Edgar, li vin tombe nan Moïse Jean-Charles, li vin tombe nan Louis Gérald Gilles, mais kounyal nan Leslie Voltaire.
Ça veut dire côté manger à c'est la nèg yo. Et d'ailleurs, pas mettre dem, il t'a travaillé dans cabinet. Docteur Louis Gérald Gilou, il t'a travaillé dans cabinet Gilou, il t'a gen chèque li l'a touché oui. Quoi que beaucoup chanté trois fois et puis soit t'endi al getan renié. Li getan renié et Gilles parce que Gilles pas ka président, faut qu'il aille chercher côté de l'eau à couler puis frais. Faut qu'il aille chercher côté zoaye. Mais réalité a. Donc nous mettons en tête, nous ka continuer faire pays, nous ka faire pays comme ça qui est ça moun sa yo? Ak moun sa yo n'a continuer faire pays comme ça? Nous sommes sur ta protéger. Nous ne parlons pas de l'autre détail. Je ne veux dire, président Aristide ouvre peuple à l'angle en cours. Président Aristide ouvre ministère peuple à passer. L'obligé de fouer même le pouvoir, il dit mettez Green Moon ça qui c'est le Voltaire. Eh bien, le sens ça, président Aristide pas qu'à entrer dans le bagage pour toi craser. Jamais. Bagage fait craser. Oui, à faire craser conseil, c'est oublier ça. Nous avons besoin qu'on a fait. Oui, nous avons fait carrière. Vraiment, mon bouton de la pays, c'est président Aristide. Président Aristide dit qu'on ne s'est pas placé. Il mettait les six Voltaire, c'est fini. Nous connaissons Gérard Jodiana, les six Voltaire, là, c'est peuple. Aristide gen contrôle situation. M'espère le gen contrôle les exam yo tout. M'espère tout zam pral bébé. M'espère sécurité pral tourner dans pays. M'espère la richesse pral baisser. M'espère moun yo pral joindre accès à dollar yo. M'espère tout ti moun ka reprendre chemin l'école. M'espère territoire suspend perdu dans pays an a récupérer yo. M'espère. Non parce que di Aristide gen contrôle situation. Ça là nous pral comprendre, nous pas ka faire pays avec modèle moun sa yo. Gardez yo bien, nous pas ka faire pays avec yo. Pays a pas ka saute l'arrivée là avec modèle moun sa yo jamais. Et nous gagnons les Steve Walter qui te font ti parler bien rapide. Nous pral gete attendre yo extrait dans déclaration là. On a dit ça monsieur les Steve Walter à la présidence du Conseil présidentiel de transition. Mes chatchou. Il a rentré, au fin rentré, madame et messieurs les conseillers présidents, monsieur le président de la Cour de cassation, monsieur le vice-président de la Cour de cassation, madame, monsieur le premier ministre AI, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le directeur de cabinet du Conseil présidentiel de transition, madame la secrétaire générale AI de la présidence, monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, monsieur le commandant adjoint des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs, chers compatriotes, au moment d'assumer l'immense responsabilité de présider le Conseil présidentiel de la transition, je vous invite tous à prendre la mesure exacte de la situation dans laquelle le pays s'est enlisé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit des affres de l'insécurité. En mémoire des nombreuses victimes, particulièrement celles qui ont été fauchées le vendredi 3 octobre dans la zone de Ponsondé, je vous demande de vous lever pour observer une minute de recueillement. Ponsondé, mon gars, pas de faim pour sauver, ouais. Là, le pays y a des bandits, qu'on y a une minute de recueillement. Temps est venu de réconcilier la grande nation haïtienne avec elle-même, pour permettre aux générations futures d'échapper aux horreurs de cette brutalité inconcevable. Peuple haïtien, concitoyennes et concitoyens, l'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du Conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations
de la part des acteurs politiques et de la société civile pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union. Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes, vivant dans l'insalubrité, incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population, selon les 5 chantiers de la transition, sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Peuple haïtien, j'en force politique que te mette ensemble, il y en a encore 3 avril 2024 là. Je dis à moi, prendre responsabilité de diriger Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. Je nous te kawé, bagay la pas de facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sous conférence nationale là avec réforme constitutionnelle là. Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation en fin mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef la police avec un nouveau état-major l'armée. Base force multinationale fini. Et puis commencer à recevoir troupes internationales. Yo. Budget l'État exercice 2024-2025 l'an validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents et élèves. Yo. Nous recrutons policiers et militaires par nous. Nous faisons célébrer reprise travaux judiciaires. Nous pourrons continuer à progresser. Travail qui était à en pile. Nous pourrons avancer dans tête collée avec tous les collègues dans harmonie avec Premier ministre là, avec tout membre gouvernement yo, avec toute force dans le pays là, pour nous arriver bay bon jan résultat peuple là attend depuis longtemps. Ça fait 50 ans depuis m'engager dans combat politique pays. M'toujours voulu pour Haïti vinn un pays côté toute petite li capable vivre tant kou moun. Ça yo pas besoin al prendre humiliation l'autre côté. L'idée m'yo pas changé. Principe m'yo pas changé. Objectif moins pas changé.
faut qu'il y ait un gros changement dans le pays. Ya. Non, mais, c'est moi. Ça pas qu'à fait avec violence ni dans goumen. C'est dans le dialogue, okay. La conférence, la parler ensemble, la chita tende, chita parler. Faut que sécurité a été priorité numéro un gouvernement. Ma remercier tout policier, tout militaire, tout juge, tout commissaire gouvernement qui prend responsabilité dans l'État pour continuer de faire travailler avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour sécurité blaïe dans le pays. Ma demande tout journaliste, leader religieux, professeur, directeur, opinion pour continuer de faire éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales, pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024. En particulier, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que nous réaliserons ensemble. Pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Merci. Donc, compatriotes, moi, yo, franchement, ben là, on t'y a compliqué. Les Steve Voltaire, ils sont dit nous le 50 ans l'affaire politique. Les Steve Voltaire espérait en 5 mois, ça va te faire en 50 ans, la privée. La privée mettait Haïti dans la dimension histoire. Est-ce que ça veut faire nous comprendre là? Nous simplifions pas pour lui, est-ce que ça veut faire nous comprendre? Est-ce que ça veut dire non? Nous avons pris nous pour macaque, nous avons pris pour égarer. Ou que 50 ans fait politique, on n'est pas changé. Parce que c'est toujours même pratique, même magouille, même manœuvre. Et pour nous, c'est moi qui dans la tête et on conseille là, parce que nous pas changé là. Ak même akoli tout yo, même équipe ou même petit clan, qui ça pas changer là? Mes amis moun yo, on nous rentre dans un dossier important. Dans dernier jour sa yo, depuis de octobre, en République Dominicaine, genye gouvernement dominicain, président Abinader, yo décidé et fait une campagne déportation massive, une campagne anti-haïtien. C'est la chasse aux haïtiens, courir derrière moun yo, moun yo pa ka travay, moun yo pa ka l'école, moun yo pa ka l'église, moun yo pa ka nan marché, moun yo pa ka sorti. Pa gen vie pour haïtien en République Dominicaine. Ou te met sorti ya, ou te met gen statue rien, ou te met gen l'argent rien, depuis c'est la caille voisin on yé nan moment là, ou pa fouti di mou bien traité, ou pa fouti di mou gen état d'esprit ou. Jamais. À moins que ta sans honte. Ça li clair, pa gen doute sou. Parce que j'ai traité haïtien et même moun ki gen papier peur sorti al va faire activité ou aller voir pour yon ki pa gen. Est-ce que nous comprenons? Et gen bien longtemps nous pas tande Claude Joseph. Eh bien hier nous gagné Claude Joseph qui réagit sur situation sur déportation massive qu'a fait yo et nous k'ap gade par bon côté dans image yo. Jean bay yo vraiment et bay yo malouk. Bagay yo drôle, bagay yo mabial, bagay yo compliqué en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Donc, Claude décide de sortir dans le silence pour parler avec les compatriotes. Yo même leur ounia. Et parole Claude vraiment, le pas fait pour dans la communauté haïtienne, dans la République Dominicaine. Non, on nous attend de regarder qui sa message que Joseph Flanye. Et tout de suite après, nous gagnons l'intervention Guy Philippe Lan. Guy Philippe qui parlait avec le ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis, l'important pour nous connaître qui ça et qui ça qui dit, qui ça message. En nous tendant et garder l'intervention Claude Joseph là. Bonjour, bonsoir tous les compatriotes. Je dis à moi, je voulais parler à toute Français qui vivent en République Dominicaine, la caille voisin, qui passe 6 points de 6 billes. Gros humiliation et persécution
en bas mais raciste et ultranationaliste dominicain. C'est avec un pile la peine. M'a assisté mauvais traitement que n'a subi. C'est avec un pile la peine. M'a regardé comment raciste dominicain yo a déporté papi et papaquette tant que bête sauvage foi accès nous qu'à vivre en République dominicaine. C'est pas normal. Il y a pile nous qui peut-être a demandé est-ce que m'abandonner combat contre ultranationaliste dominicain yo, contre raciste dominicain yo qui s'est menti, faut que finir avec nous. Il y a pile nous qui peut-être a demandé est-ce que m'abandonner cause ça parce que nous connaît voix qui rivait plus loin hein? Parce que nous connaît comment on pas jamais raté une occasion pour me dénoncer sur ces nationales tant qu'au international mauvais pratiques discriminatoires pratiques racistes que n'a subi en République dominicaine. Réponse moi, non, on va pas abandonner. Non, on va jamais abandonner. Moi voulais nous songer que combat contre raciste et ultranationaliste dominicain, combat contre volonté hégémonique Abinadel pour faire Haïti tourner la coude et la caillou, qui ça le coûte? D'abord, Abinadel décrété persona non grata comme ennemi intérêt dominicain, ennemi numéro un intérêt dominicain. Il fait que nous paraître comme monde qui est détestable en République dominicaine. Heureusement, nous n'avons jamais raté une occasion pour nous défendre moins et comprendre le combat que m'a mené. Ici, en Haïti, quelques politiciens restent avec, qui croient qu'ils ont gagné une part de marché politique, faut qu'ils soient dociles avec ultranationalistes et racistes dominicains. Eh bien, politiciens restent avec ça. Ils ont mené toute une campagne contre moi, pour nous capables de détester. Mais nous plus intelligents que ça. Moi, je veux dire, nous, moi, pas jamais abandonner le combat ça. Chaque fois occasion lui offrir, moi, à dénoncer sur scène nationale tant qu'internationale, pratique ça et exposer on pratique de un état délinquant, de un état voyou. Même vous nous comprendre. Dénoncer, faire tweet, les nécessaires, mais le pas suffisant. Pas suffisant. L'important pour nous faire une bataille qui est plus structurelle, une bataille qui a plus duré. C'est pour ça, moi-même, avec un pile compatriote, nous mettons ensemble dans un gros projet politique qui est aider les engagés pour le développement, pour nous rapatrier souveraineté pays, pour nous construire Haïti dans la dimension histoire la gloire, dans la dimension aspirations ancestrales, en manière pour faire accès. Ma tante, tonton, cousin, cousine, maman, papa, pas gen obligation pour quitter pays ya, pour aller sibi humiliation dans l'autre pays, dans chercher la vie meilleure. C'est seule façon, n'a pas bail une réponse qui pi durable, à persécution, humiliation, que n'a subi en République dominicaine. Si nous pas tendez,
c'est parce que m'a organisé avec un pile d'autres compatriotes responsables. On réponse face à un État qui définit une identité dans l'aïe haïtien, face à un pouvoir, pouvoir Abinadel là, qui croit que seule façon que le capable d'exister, c'est non défini ou anti-haïtianisme primaire. Face à ça, n'a pas organisé nous. Pour nous gagner un pays, côté ou capable envie, vivre là-dedans. À plusieurs milliers, frères accès nous y a déporté chaque jour, on veut dire nous. La caille n'est pas bon, mais pas de temps pour la caille. Si ce n'est pas une volée la caille. Moi, je veux dire, nous. Si ce n'est pas une crasée la caille, tout politique. Gagner façon pour nous organiser, nous, pour nous produire réponse ça ensemble. Nous gagnons tout support. Nous gagnons tout support. Projet politique ça a tiré les. Aider les engagés pour le développement. C'est ensemble que nous avons construit Haïti dans la dimension histoire de la gloire. C'est ensemble pour nous travailler, pour nous croire, projet, ça que raciste et ultranationaliste dominicain ou gagné, qui s'est fait Haïti, tourner, si la cour. Derrière la caillou. Voilà, nous sommes tendés ancien premier ministre Claude Joseph et qui longtemps l'ont été qu'on répond dominicain, l'ont été qu'on prend la partie contre traitement inhumain, dégradant comparé anti haïtien qui qu'on a mené sur territoire dominicain contre et pas bon côté gouvernement dominicain, pas bon côté président Abinadel, longtemps communauté haïtienne non. Yo te kon apprécié. Mais je ne jodi ya, et m'ap gade intervention Claude là franchement. Malgré ça l'ap dénoncé, c'est des bagay que le kon dénoncé, c'est des bagay qui existent vraiment, oui. Mais c'est pas même ampleur là, c'est pas même poids. Je ne jodi ya, qui ça nous veut les politiciens, vous comprenez qui ça nous veut les 10 politiciens. Ce modèle politique nous fait yo qui pousse deux jeunes femmes, jeunes garçons faire courir quitter pays yo. Ce modèle politique distribuer zam, distribuer l'argent, distribuer cartouches au lieu là nous n'en poste de responsabilité, nous fait exactement travail nous supposé faire pour aider pays. Ce modèle dirigeant ça yo qui lié avec oligarque corrompu avec secteur économique mafia. Pour petit privilège, pour petit avantage mesquin chaque petit groupe, chaque petit clan et puis yo passé intérêt supérieur nation en bas pied yo réduit Haïti journée jodi en côté lié là. Ce modèle politique, tout vous me dit, ce modèle politique, pas pi bon. Ce modèle politique, c'est moi qui ai pi bon formule. Ce modèle politique, ça fait cabout, pas ça fait mouton. Ce modèle politique, ça va pour nous mettre de côté, pour nous faire intérêt pays en passé avant. République dominicaine, yo prend Haïti vraiment, yo fait Haïti tourner derrière la caillou. Malpropre, yo pas consommer la caillou, pas mettre sous table la caillou, c'est yo y a fait nous acheter. Mais en Haïti, combien ministres de commerce qui passent qui dit yo a monté yon organisation ou bien combien organisation qui a défendu droit moun babo ici qui dit yo a mette campé yon entité par exemple RNDDH qui pour gérer question et consommation droit à la consommation organisation qui a défendu droit consommateur combien zéro barré m'so j'aime te font travail et m'te font travail de recherche sur bail ça c'est ton véritable casquette chinoise. C'est ton casquette chinois parce que l'on cherche information, comment yon teste produit yon, le produit yon après entrer en Haïti, qui contrôle de qualité, qui listing yon fait sous produit, qui produit gen autorisation, yon pas ka dou. Même moun kap travaille dans le ministère commercial, yon wont aborde et étudiant sous bagay sa parce que son wont lié pour yon, l'État pas fait travail. Donc, si jounen jodi yon nou gon pays, l'autre pays a humilié ressortissant nous, l'autre pays a craché sur ressortissant nous, c'est la cause nous, c'est nous qui fait politique. C'est nous qui aime pays en otage, c'est nous qui aime politique là dans gauche. Donc je ne dis c'est nous pour prendre responsabilité nous comme homme politique, comme femme politique pour changer bagaille. C'est pas n'en parler mais plutôt c'est faire action. Cri désespoir yo en pile moun yo pas capable encore.
Bien, compatriotes haïtiens frères chers, nous gagnons Guy Philippe qui a adressé un message extrêmement important à ministre Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis. On nous attendait ensemble avec moi qui ça message s'il a. Faut prendre responsabilité. Regardez ça qui a passé Saint-Domingue là, je dis là. Maman qui mène petite l'école et puis immigration pour maman et tout le monde petit de l'école. Qui est-ce que j'ai dit mon ça? Quand ça se comme ça tout le monde va le dire. Moun qui sorti kal travail qui était pay madame yo bien mari yo nan kay petit yo nan kay immigration pour c'est domaine y aller et nèg yo fait la rata comme plaisanterie sous toute vidéo sous toute bagaille nèg yo y a fait la chasse à l'homme et bien haïtien a couru haïtien tout partout a voler tête nous nèg passé dans la blou m'pense que faut haïtien quel genre la vivre le bagaille ça yo faut qu'il indigné et comme indigné faut qu'il prenne décision pour voir qui vient pour le faire payer lui vienne plus bon moment. Il y a trop difficile, il faut que nous changions. Et pour changer, il faut que c'est nous tous qui mettons nous là-dedans. Ça va passer ces domaines dans ces lieux. Regarde pour sonder. Des nègres, des bandits, ils prennent amis, ils tuent plus que 70 personnes dans la localité, dans 10 côtés. Mm. 70 personnes contre l'État. Pendant ce temps, on a dit, nègres, nous, c'est parti, c'est voyager, c'est bagaille. Côté ministère des Affaires étrangères, nous, quand le président Edgar Leblanc a parlé de Dessalines dernièrement, moi, je pense que l'État, c'est un rôle, président Edgar Leblanc. Qui se parle, j'en ai parlé dans l'ONU, soi-disant, mais Haïti parle de Dessalines, de l'histoire, nous. Même dans même temps, invité pour venir dans le pays. Mais au moins, il a fait ministre des Affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain et déclaré une personne non grata et balle 48 heures de politique de pays. Wow. Il pas normal pour faire haïtien passer, ça fait le passé là, en République dominicaine. Maman qui était à l'école, il prend maman. Il y a le travail, il prend, il a quitté toute famille, tout ça, était bien, tout si bien. Il pas normal pour traiter ton peuple comme ça, et puis nous-mêmes comme dirigeants, nous avons gardé. Donc c'est deux voix. On dame yo déporté là, yo déporté on dame là, à un petit bébé 3 mois. Un petit bébé 3 mois. Dame nan flé la famille. J'ai la gueule nan mon monde pour l'aller. Son bail qui est extrêmement grave. On pense que c'est parce que l'État nous absent et qui cause situation ça yo, il va présenter et dans communauté haïtienne, République dominicaine. C'est n'importe quoi de sérieux. Il y a humilié le peuple comme ça. Premier bagage, on va convoquer l'ambassadeur de pays, ça, qui l'a caillé. On va convoquer, on va mettre en garde. Si on si n'a pas rectifié ça à faire, on mette au dehors. On déclare que personne n'a pas gâteau, on mette le dehors. Ouais, parce que Dominique, il y a plus pour le perdu. Dominique, il y a plus pour le perdu tout. Oui, non, on lutte avec Haïti. Ouais, l'économie, va dépendre de nous. Oui. Ni dans la construction, ni dans le bagage importé pour nous consommer la gagne. Et toi, quand ça a importé dans la République dominicaine, nous avons produit en Haïti. Oui. C'est parce que le gouvernement n'a pas de volonté politique pour faire Haïti jouer une autosuffisance alimentaire que nous avons besoin, que nous avons cherché, que nous devons gagner. Donc, bagay ça a indigné. Donc, nous avons dit que le 17 octobre, là, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement peuple haïtien pour lui. C'est nous tous qui pouvons encourager nous sortir. Si tout le monde est de la caillou, il y a peut-être une belle merveille, il y a peut-être une brigade, rien n'est pas fait. Mais si nous tous prenons la vie, nous pas mes changements, nous forçons les changements à faire. Ouais, la fête. Mais faut que c'est haïtien qui accepte prendre responsabilité. C'est pas chita, ou parler, voulez TikTok, voulez bagaille, et faire belle commentaire, dire, mais dans le pays, il y a la bouche. Mm-hmm. Je dis à pays, il y a besoin de sacrifice petit. Je ne sais pas que c'est Haïti qui est mauvais maman. Ça, ou bien son maman qui est mauvais vent. Et sénateur, c'est un point nous tenons pour nous débattre après-midi via que relation nous connaît ou son monde qui développe des très bonnes relations avec la République dominicaine bien que ou poko et c'est pas même cap diriger qu'on y a pas une grande chose ou capable de faire dans ça. Donc est-ce que et selon même l'État pas capable remet chercher une solution et à la situation ça c'est-à-dire pour joindre une possibilité pour haïtiens qui en République dominicaine joindre une possibilité pour être légalement sur le territoire. Est-ce que deux gouvernements yo pas qu'à mettre tête ensemble pour chercher un plan comme ça? Moi toujours pensé que nous deux avons sous il la faut que nous avons une grosse force économique dans la Caraïbe qui est bon pour nous toutes. Mais il faut qu'il fasse dans le respect. Bon à fond qui fait jeudi à la à peu haïtien. Ça qu'a fait là sont à fond. Haïtien, on ça, traité, on ça, courir derrière, et puis après, dans toute bagaille, ils sont affolés. Je pense que faut que l'État haïtien prenne responsabilité. Le ministre des Affaires étrangères a supposé convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti. Supposé et obligé. Et ensuite, pour nous, on dit là, comment nous avons rectifié ça? Comment nous avons corrigé et ça, par exemple, nous avons pas fait encore? Nous connaissons bien un pire jeune garçon, jeune femme, nous, qui a étudié là-bas. Et malheureusement, beaucoup de capacité. Signal là, à Haïti pour le signal. Donc, nous arrivons que nous n'avons pas de capacité pour nous-mêmes, nous qui avons recevoir étudiants, ça, parce que c'est ça, c'est la dit, c'est là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, m'a dit. M'a dit que chaque fois, nous avons un club qui entre dans le pays pour aider nous, pour nous investir dans le développement durable, voler le gouvernement avec complicité, ambassade américaine et l'autre,
prend tout comme là. Gardez le débat que vous faites, par exemple, avec l'argent coopératif. Vous prenez tout ce qui est paille et classe moyenne, tout ce qui est paille nous, vous prenez, vous volez, et puis aucun ne va dire rien. Gardez ça qui passe à Petro-Caribé. Gouvernement privé, gouvernement atelier, gouvernement privé, volez tout. C'est comme ça. Ça vous fait avec. Vous pouvez plaider jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Mais je vais vous montrer qui ça vous fait comme ça. Moi, toujours dis là, il y a un problème, il y a un problème de sécurité. Mais c'est un problème qui a résolu dans 90. N'importe qui, genre, on est assez sérieux, de volonté politique. Avec force que nous avons là, force nationale, police, l'armée, des SAP, nous avons crasé le phénomène d'insécurité dans 90 jours. Si bon gouvernement sérieux, de volonté politique pour faire. Mais il va faire, il n'y a pas de faire. Instabilité à bon pour vous, monsieur. Monsieur, c'est pire, il y a besoin de pays Haïti, sous sol, oui. Tout le monde va faire mon déplacer. Il n'y a pas de quitter mon retourner encore, non? Parce que ça qui est assez lié au besoin de voler. N'est-ce qu'il y a besoin de faire une constitution sur mesure de quoi faire après et l'on a fini occupé Haïti là. Après première occupation, on a fait une constitution sous monsieur de météo. Qu'on y a besoin de faire une constitution pour l'égalité dans le pillage, je voulais faire sur Haïti. Et peut-être tout le matin, c'est pire que le pillage sur son nom. C'est ça qu'on a besoin de changer la constitution pays. Changer la loi pays pour le voler. Donc, moi, je dis qu'avec force nationale, nous, nous sommes capables de contrôler le phénomène insécurité. Et dans 90 jours, l'évolution de la sécurité totale dans le pays. Dans 90 jours, ou quoi que le pays est capable de garder en souffle dans la question de sécurité? Moi, je suis bon gouvernement qui a une volonté politique qui vous fait. Parce que, on ne peut pas changer rien. On ne peut pas faire une révolution sous le pouvoir politique. L'évolution a vraiment commencé lors des pouvoirs politiques. Tout le monde a fait là, ce monde a fait pour nous pouvoir et pour nous faire l'évolution. Mais parce que dans 90 jours, sénateur, ensemble de monde que les États-Unis, le Canada, c'est donc même la France, est sanctionné, parce que c'est principalement ça que tu as dit avant, parce que c'est le principal principal fournisseur et groupe armé. Et par la suite, pour commencer à mettre les mains dans le cas de la campagne pour le monde. Si vous voulez quitter les terres, il y a toujours des gens qui achètent des armes pour les Sabato. Si nous voulons vraiment recharger du lien, il faut comprendre tout. Que c'est l'ambassadeur américain, Canada, la France, qui souffre instabilité et insécurité en Haïti. Donc il n'y a pas aucune qualité morale pour faire les sanctions des monde si on va mettre tête là-dedans. Le problème de sécurité, c'est nous qui avons résolu. Nous avons dit que j'ai pour marier mon nom. Et j'aime toujours dire, délinquant à cravate, il y a plus dangereux que délinquant à Sabato. Nous avons ça pour nous faire. Nous avons fait, mais c'est Haïtien qui a fait. Donc, mais sénateur, tout, je pense que sénateur, vous parlez en connaissance de cause. Et that's why, vous toujours voyez une route dialogue dans le pays. Donc, de toute façon, il faut arriver dans le dialogue. De toute façon. Tout même bon, qui désordre, vous faites là actuellement. Il n'y a pas attaqué Berlin avec Delma, vous faites un mois à attaquer base Berlin avec base barbecue. Pendant ce temps, il y a 2-3 graines, 10 nègres là-dedans, qui capronne, qui prend bateau, qui descend dans le nid, dans le gradus, à toutes gros armées. Et sûrement, on fait dans l'autre zone. Est-ce qu'on a qui ça n'est pas créé là? On a une seule fois, il y a une sécurité réelle dans le pays, qui ne sait pas où est-ce, et peut-être un petit parti dans la dimonite. Qu'on a chaque grande section communale dans le pays, où il y a une chance pour le bon foyer gang là-dedans. Parce que pendant qu'on fait attaque ça, il n'y a pas mettre aucune disposition sous la mer pour fouiller tout le bateau. Tout le monde a sorti, tout ça. Qu'on a ZAM gangrené dans toute zone. Wow. C'est extrêmement triste. Donc, nous avons suite avec question, donc, on mène une question supposée, quand Gary Koné qui continue à chercher aide. Mais nous remarquons qu'on joue, en fait, chaque pays qui peut mettre, qui promet tout l'aide, il y a pour 200 policiers, et là, c'est oui, ça, Patrick. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est pour l'élection américaine qu'on a fait en novembre. N'est-ce pas, nous aider, nous pas aider, non. C'est nous, haïtiens, pour payer une sécurité. 200 policiers. Donc, on dit là, dans la Tibonite, il y a un problème. Il y a du, donc, 2-3 green policiers passés à la Tibonite. Actuellement, ça veut dire, si nous voulons envahir Port-au-Prince, pas de monde Port-au-Prince. De toi, il y en a la Tibonite. Donc, nous avons même Salvador. Salvador, donc, ça le promet pour le bon 80 policiers. Chef, moi, tout ce que je veux te la faire, c'est parce que le peuple nous a pas respecté le peuple. Nous, c'était toute bagarre qui fait les gens qui ont passé dans la boue comme ça. Force haïtienne, qui a baillé sécurité. Vous mettez quoi dans ce monde-là? Si il y a volonté politique, force haïtienne, qui a baillé sécurité. Next, on va nous faire un lac et font un l'argent, fait bagarre, font carrière dans bagarre onusienne, et puis vous faites petit comme vous. Vous pas venir, vous pas venir mourir pour nous. Mais pas venir mourir pour nous. On attend nous. Il y a pas une secrète tank, par exemple, soi-disant. Pour ça, il n'y a pas un couloir pour machine qui a basé de Port-au-Prince à l'an sud. Ou bien pour machine qui a basé de Port-au-Prince à l'an nord, à l'an plateau central. Qui ça empêche que les gens quittent la circulation faite dans le pays?
pas de volonté politique. Sénateur, et pas de volonté aller dans plusieurs sens, parce que si vous voulez Haïti, moi suivre plusieurs équipes, moun qui gagne zam nan, mais yon en pays, yon dit yon pas remettre zam nan avec moun qui te baye aux zam nan. Et c'est ça qui fait un pile nèg yo qu'on attribue yo di ou c'est fanatique gang yo, parce que nèg yo di yo même si sénateur qui Philippe Bini yo gon moun ki ka retirer zam sa nan men yo et puis ba yo travail gon moun ki ka vini retirer zam sa nan men yo et puis voye à l'école ba yo métier. Donc c'est ça, mais en pile monsieur qui a exam d'ap suivre nan naïve m'ap suivre nan même dans la Tibonite là côté qui massacre ça fait là, ça veut dire si communauté internationale là c'est yo moun ki te derrière la paix qui ont été bien changement dans pays d'Haïti. J'ai l'impression d'après rentrer dans une sorte de communication ensemble avec vous et puis chercher à mettre la paix dans le pays. Parce que le problème. Attendez, il y a pas besoin de faire. Il y a un bagage qui fait que la communauté nationale n'a pas besoin de parler. Nous sommes en Haïti. Et vous ne parlez pas ça. Non. Vous ne parlez pas de nous en Haïti. Donc, oui, il faut que nous parlions avec vous. Oui, nous parlions avec vous. Et nous d'accord avec vous pour vous mettre mon Dieu dans vos âmes, les amis. Il n'y a pas qu'à balayer, il n'y a pas de confiance. Il connaît, ou fin d'arrêt aux amnans, il connaît tout ce corps, il y a tout. Moi, je me bats là, moi-même. Il n'y a pas de mes nègres, là, non? Il n'y a pas de mes gangs, il y a une prison de. Pas au monde qui a dit de mes gangs. Pas au monde qui a dit de vos gangs, elle fait kidnapping pour moi parce que je me bats là. Tout le monde connaît me battre là, je suis en prison. Donc, dès lors, il y a une qualité morale qu'on a pour me parler, pour me dire, mais qui j'aime penser, c'est le plus bon. Pour me faire, pour me sauver Haïti. C'est ça que je donne sens à ça, combien dans la Tibonite, là, je dis. Hein? Donc, nous avons une équipe gang Zaro qui était dans sa vie, mais ils ont dit clairement qui moun qui baille aux âmes. Et là, ils dit qui moun qui baille aux âmes. Et puis, puisque vous parlez causé, même moun qui baille aux âmes, nous avons l'autre équipe moun par être en face. C'est ça que je dis. Ouais, gang à bataille à gang, gang à cravate, gang à sapate. Exactement. Donc, gang à bataille à gang. Et je dis là, mais ça le ban nous, non, pour son nez. Liban nous, 60, plus que 70 moun, et eh bien, assassiné, non, c'est le jour. Qui sa gare koni fait un cadeau, lui fait un cadeau sympathie, et puis il prend avion, là, le Dubaï. Et bonjour, hélicoptère, ouais, ou d'après une gare koni guerre. Soit hélicoptère qui l'a, pour aux été. Et pour un hélicoptère, la gare militaire, la gare qui a fait opération police. Ouais, aux été. Ouais. Non, ouais, non, en plus, il m'a dit son hélicoptère avion. Son hélicoptère 25, 26, mon quoi. Mais c'est pas une opération militaire, Gabriel. Non, il n'y a pas la police militaire qui bouge. Oui, donc. Allez, c'est le moment de dévouer. Donnez les oiseaux. Allez, il descend. Oui, Gary, on est tous les oiseaux. Bon, sénateur, bon, on va parler de questions. Ça, me rappelez moi, et selon l'ancien ministre de la République, là, Nader, il devait connaître qu'il y a un mandat. D'ailleurs, est-ce que vous ne pouvez pas parler là pour nous connaître comment la justice est dans le pays d'Haïti? Est-ce que vous ne pouvez pas vous parler de deuxième mandat par rapport à la position au point de la pays là? Beaucoup de gens ont un gouvernement en Haïti qui va mettre mandat d'ADM pour complot contre la sûreté de l'État. Chaque fois, nous dénonçons un bagage. Moi, nous, pour pays, il y a toujours un mandat complot contre la sûreté de l'État. Je songe, président Matéli, le président, tout le monde dit, c'est ça, Miguel Philippe, Nous faisons des manifestations pour copier au Caribe, pour copier voler, pour faire ou Jérémy, il y a un mandat. Moi, je n'ai pas un mandat complot contre la sûreté, non? Parce que je n'ai pas un droit, au monde, je n'ai pas un droit à au monde, je n'ai pas défendre ça pour défendre le pays. Il y a un mandat. Ariel, il y a un mandat 4 février, là. Et c'est le ministre qui a parlé, là. Il y a un mandat complot contre la sûreté de l'État. Moi, même arabe, besoin Jean, et il y a un mandat qui m'a fait complot pour me caser l'État. Et Ariel Henry. Pas en mettre d'identité, quel que soit le monde qui a mené le gouvernement, ça, on peut le dire ça sur Chanel NPH. Quel que soit le monde qui a mené le gouvernement, ça, donc Ariel Henry a mis dans le côté machine de Babel. Ok, pas en mettre d'identité. Je ne vais pas faire un mandat contre le gouvernement contre la sûreté de l'État. Bon, ça, ça veut dire, d'ailleurs. Complot contre la sûreté de l'État parce qu'on fait manifestation pacifique. Depuis que nous avons pays, nous avons toujours dit manifestation pacifique. C'est-à-dire que nous avons dit boule banque. Boule la rue. Crase la reconstruit. Il ne va pas mettre un mandat parce que nous avons un système dans le travail. Sénateur, où est-ce qu'il faut la manoter? Donc, ça veut dire que dans moins que 3 mois dans le pays, nous avons une sécurité pour nous sortir pour le Port-au-Prince dans le nord. Ou sorti Port-au-Prince soit dans le sud, ou sorti Port-au-Prince soit dans le centre. C'est ça, vous voulez dire. Ça veut dire, non, moins que 3 mois, nous cap gagner sécurité, ça. Donc, est-ce que le peuple haïtien besoin en pile sécurité, ça? Qui stratégie, nous, qui tape utiliser pour gagner sécurité, ça? Même si vous n'avez pas technique, yo. Qui ça offre, qui ça fait cruel possible pour ça? Non, moins 90 jours, Jean-Pierre Isaïlan Kabal, les cas cool pour mon fonctionner là-dedans. Bon, avant de comprendre le phénomène de sécurité en Haïti, il faut comprendre le phénomène social.
pays, c'est la misère des pays à côté. En ville, on a dit oui, la Haïti était toujours dans le groupe, on va dire que ça. Misère extrêmement a toujours bon résultat ça. Sous au gouvernement qui a des premiers jours, bah, on bagaille clair que l'affaire corruption est écrasée dans tout niveau, ni dans le secteur privé, ni dans l'État. On a toujours bien sécurité. Parce que si on est dans le quartier populaire lui-même, l'État n'a jamais eu sous lui, pas dans l'école, pas dans rien, il n'a même qu'à manger, il n'a même pas la boue, il a mourir. Et pour dès l'État qui mette dans l'État de vulnérabilité, ça, qui a écrasé sous lui, balle et 11 âmes, avec un petit corps, il dit, il a fait tel bagage, il a kidnappé tel bagage, il a fait, parce qu'il a la misère. Donc nous-mêmes, comme l'État, nous travaillons pas nous faire au niveau social, et puis, avec force coercitive, la police l'armée, pour nous longer mes barres. Ça veut dire, bah, ça, moi. La bonne amnistie. Moyennant que ou cap collaborer. Amnistie, on va pas dire impunité, non. L'homme dit amnistie. Si tu as pas 10 ans, il y a 5 ans. Mais moyennant qu'on collabore avec l'État pour faire l'État comprendre complexité, problème ça, aux âmes ça, au côté au sorti. Qui est-ce qui bon, non? Qui est-ce qui est bon dans le kidnapper? Côté l'argent ça, au fait. Comment nous séparer l'argent ça, avec deux négats ça? Parce que, depuis un jeune garçon, nous sommes commandant Delma, nous sommes battus avec l'armée rouge. Nous sommes 10 ans classés l'armée rouge. Et nous n'avons pas battu bon, les gangs qui font, qui forment. Après, l'autre, toujours formé, oui. Mais si nous voulons résoudre problème ça, on fera pour tout. Faut résoudre problème sociaux, et faut résoudre problème dans tout le monde. Qui va garder ma cravate? Qui va garder la cravate qui va alimenter bagaille ça? Et ça nous connaît déjà, sénateur. Gen connaît, gen gang yo sans pourquoi, sans pourquoi gen amnistia yo, dit qui moun ki ba ou lui. Pas aucun souci. Mais m'bo garanti, un gouvernement qui inspire confiance à tout le monde, qui va venir faire rien pour moun, faire moun plaisir, qui seulement ouè nan tête li, bonheur peuple haïtien. Parce que même qui fait plus bon pour moi, qui fait plus bon pour tout haïtien, c'est ouè que peuple nous a vivre en toute tranquillité. Que si moun gal l'école, que moun gal l'église, que habitant gal fait jardin, sans que li pas paniquer. C'est devoir, nous, premier devoir, nous, c'est bailler peuple nous sécurité, bailler tranquillité. La paix publique, pas bien prix. Société a nous péché, nous tous, qui va payer arriver côté là. Mais pour nous avoir pris, vous nous payez. Et ça fait moi dire, amnistie, il y a commission vérité. C'est lui, mec, depuis peu, commission vérité. Vous pensez vagabond qui tuer Jovenel Moïse, il a voulu que la commission vérité fait. Vous pensez vagabond, qui voit le corps de l'Ocaribé, il a voulu la commission vérité. Non, non. Vagabond, voilà comme c'est hier, achat. Il y a voulu commission vérité. Vagabond, vendre des l'écho, qui crase la médaille illégalement, inconditionnellement, qui vend, minoterie d'Haïti, qui vend cimenterie d'Haïti, et Nahol, tout ça qui a produit pour nous. Vagabond, crase production nationale, nous, qui fait que du riz, que nous avons capacité pour nous bailler tout peuple, nous, tout céréales que nous voulons. Il y en a importé plus que $1 milliard de riz chaque année. Vous pensez que vous voulez commission vérité? Non, donc commission vérité a c'est tapé mon sur les nerfs. Donc moi c'est que ou attaquons gros point la dossier commission vérité a. Moi c'est on me t'a même mandé est-ce que on fait provision et mon yo pral citer nous là pour mettre code dans point tout là que et bandi au fin tout c'est tel qui te bam zam. Est-ce que vraiment ou gen courage pour mettre code dans point mon ça yo pral citer là yo parce que mon ça va pitié en pays a. Et nous connaît président Thomas Sankara t'es fait ça et Burkina Faso, dans 3 ans, 4 ans que le fait président. La commission vérité là. Commission vérité, il faut que nous reconnaissions mal le faire. S'il veut une amnistie. Ça veut dire, dès qu'il y a un qui va les amener, qui vole les copes de Caribéa, qui vole l'argent, la construction haïtienne, l'argent coopératif, l'autre l'argent, il faut que nous reconnaissions ces volets liés devant le peuple là, en public. Avant que le cap bénéficie de l'amnistie. Dès qu'il y a un président Jovenel, qui complote en Belkali, même chef à Jean-Pierre. Faut que je reconnaisse ces criminels, ces assassins, oui. Et puis, l'autre, ça, le cap dit, ok, si nous avons 20 ans, nous 10 ans. Bah, on peut lui n'a pas eu. Et Ederson, continue. Et puis, si nous pas avoué, il y a un bagage. Il y a une enquête sur les avions qui ont marre. Bon, l'État, c'est ça, le tarouillé. Mais nous, on s'est suivi même, nous, le cap fait là, je dis, hein. Il y en a, l'autre tourné, c'est même eux-mêmes. Eh bien, c'est pour raison ça, moi, Zou. Ouais, donc on dit Ariel moi pas servir avec système ça même. Ariel. Système ça me pas faire confiance. Depuis mon bien dans système ça me pas faire confiance encore. Depuis mon bien dans système ça on pas faire confiance encore. Non, système ça son système craser pays là, son système reste avec son système tue l'ambassade américaine, son système qui va mener Haïti aucun côté. Nous gagne pétrole dans pays là, qu'il y a un monde qui t'a dit bagarre. Nous gagne l'or, nous gagne pas quelque bagarre dans ce sol, nous gagne uranium, nous gagne bagarre l'autre pays pas gagne besoin de deux ou trois pays seulement dans le monde. Nous voulons qu'on sera oui. Nous voulons qu'on Haïti vienne partie par lui. Ouais. Donc sénateur, nous gagnons département d'État augmenter eh bien 200 millions de dollars sous tête de l'homme pour arrêter le monde qui a fait le joint pour vite l'homme excusez-moi pour arrêter vite l'homme et le best c'est qu'on est la mensonge habiter tout ils ont mis 1 million de dollars sous tête la mensonge
pour ta connu côté la vie. Comment traduit le film ça, ou même? Ambo, si on est allé, ici d'abord le deuxième temps dans le salon qui a vidé là. Vous pensez que toute radio, tout téléphone next CNN ça, pas de blog là, mais qui n'a pas connu exactement qui continue next CNN ça, il n'y a pas la vidéo là. Ya, tu as coordonné. Exactement. Alors, première chose, c'est qu'il y a un jeune homme qui a un crime, il y a besoin comme ça. Alors, il va descendre le bras. C'est pas tout le temps que vous avez fait interview avec Routeuse, tout le bagaille. Tout le monde, téléphone seulement, et son GPS là, vous toujours connaît exactement comment vous avez fait. Et moi, le fait que vous avez parlé de téléphone seulement, après TikTok, après tout le bagaille, vous avez fait exactement comment vous avez fait. Mais je dis à l'IPA. Ok, d'accord. Je dis à l'IPA. Mais pour ça, il y a fait ça. Pour qui ça, il n'y a pas de fait. Mais ça me visite. D'accord. Il y a fait ça parce qu'il n'a pas respecté notre nom. Parce que même je dis à la, le mouvement, il y a un gars qui dit ou t'es pas là blanc, ou t'es contact blanc. Comme si tu n'as pas compris le message, moi, non? D'un mec qui dit, moi, qu'on a dit, qui, ah, et dans ce sens, tu es pas là blanc. Comme si il n'a pas que faut ou pas là blanc. Pour prendre décision, pour prendre pays où. Bah, ennemi blanc, non, moi-même, je voulais voir Haïti, bon contact avec blanc, bon voisinage, que le chinois, que le, la Russie, que l'américain, que la France. Mais, États-Unis, pas obligé de ne pas faire commerce avec la Chine, là, il m'a fait commerce avec la Chine, pour obliger de me prendre Taïwan. Ouais. Ça, Taïwan, Haïti, moi. Ouais. Ça, Haïti, le peuple, moi. Non, il ne faut pas que la Chine continentale, ou faire Jamaïque, il faut dire une Jamaïque, il faut faire les trucs. Il peut en jouer le bon pouvoir. Il peut en jouer le bon pouvoir. Mon cher, regardez des jouets. Il prend Jalba au pouvoir. C'est bien bouge pour le bel bon jus. C'est nous pour faire pays. C'est nous pour faire pays. Il faut apprendre un projet Haïti. Il faut que nous mêmes Haïtiens nous prennent Haïti. Il faut que nous prenions Haïti à son réalité. Il faut que nous prenions la danse. C'est la fin. C'est vraiment un jouet et ça a passé. Hein? C'est-à-dire, jouer des leaders, nègres qui respectent les têtes, qui remet pays, hein? Qui sont capables de mettre pays ça et qui capable de mettre pays ça vers l'avant. Donc, ça veut dire, il était Kavina Reto, ou même, qui était sénateur de la République élu, il était des mois pour nous prendre sans bruit, sans compte, mais l'autre nègre, c'est même impossible pour nous. Bon, exemple pour montrer aux gens blancs, sans bluffer. Moi, c'est la tête de la République. Pas aucun problème sur mon bagage. D'ailleurs, il a arrêté de me dire droit de monter. Quand il est aux États-Unis, on dit c'est comme des gens qui sont en banque. On va regarder le public. Il va pas être droit de dire tout le monde, on dit c'est comme moi de rien. Tandis que eux-mêmes, le président Matéli, on est là, il dit, mais preuve, l'ambassadeur a dit ça au cap, mais preuve que Matéli est dans le droit, on dit le droit. Mais jusqu'à présent, la caillou, il a pris l'axe. Bon. Donc, en attendant, monsieur, qui monte les gars faire là? Qui hypocrisie qui gagne plus que ça? Ça, les clair, les toi clair. Moi, c'est même un petit bébé, toi, moi, capable. Et sinon, jouette. Quand on dit des blancs font dormir, chaque semaine, elle vient faire dormir, elle va mourir. Nous, nous, je fais des bagages sérieux. Ils pensent que nous allons faire des bagages, nous allons faire des discussions. Ils font des bagages pour nous faire des discussions entre nous. Comme si le bon. Sénateur. Oui, sénateur. Bon, on a l'ordre de faire couper sur des sujets de Caraïbes, même dans les questions politiques là. Donc, est-ce que vous avez un gros espoir là? Tout le pays ici a joué l'argent bétoca. Parce qu'on silence absolu sur la question de l'argent bétoca. Parce qu'on y a là, ça va être un peu pas bossé encore. Mais je sais que c'est un peu plus fort. Est-ce que vous estimez qu'il y a une grosse histoire là, pour nous donner de la 50 noix là, encore des soirs, jusqu'à présent, toujours à bourrer là. Et pas celle de l'argent bétoca, il y en a bien, non? Médication, nous l'avons dit là. Et pas celle de l'argent bétoca, il y en a bien. Nous avons l'argent 7 avions là, mais d'Haïti maintenant. Vous supposez qu'il faut que nous jouions. Faut que je joue l'argent Petro Caribe, l'argent de construction haïtien, l'argent FNU, de la 53 balles, faut que je tout. Je n'ai pas venu, oui. Quand on a été, on a été haïtien, on a été parlé là, on a venu tout. Non, l'argent, il n'y a pas crasé. L'argent aux États-Unis, action de Mengue. L'argent aux États-Unis, action de Mengue. Si l'Amérique est développée, nous avons 23 l'argent. Si l'Amérique est développée, nous avons 90% l'argent. C'est des babés de même. Car il est vraiment, vraiment compliqué. Avec Guy Philippe, nous avons espoir, l'argent a retourné si toutefois, sénateur Guy Philippe, eh bien, et lui, il veut contrôler le pays, ça ramène. Mais avec. Nous-mêmes, dans la révolution, nous avons bataille pour contrôler le pays, pour nous faire d'Haïti, pour nous faire un peuple qui a la dignité, pour les petits mouns nous manger, faut que les petits mouns nous lever le matin, faut qu'on ait la bien manger, pour manger. C'est toi, pour Haïtien. On a pas bien quand même. Ça m'a dit aucun doute, ça n'a bien rien. Ou de l'appelons pour nous parce que nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas moyen, nous n'avons pas d'âme. Nous battons pour nous. Et obtenons l'État qui a tout visé depuis plus de 50 ans. Nous-mêmes, route nous voulons être plus longue. Et le plus difficile. Mais c'est une bonne route là. C'est une content que c'est une bonne. D'accord. Oui. Voilà.
pas tous les sénateurs, non, pas tous les sénateurs, nous sommes besoin encore d'autres. Et j'ai une sur question éducation, parce que si sénateur est en politique, quand même, à oublier éducation, c'est à venir. C'est clair. Nous remarquons là, l'école là, censée ouvrir votre lit. Et il y a plusieurs zones, l'école là, pas ouvrir. Donc, malgré l'aide, le ministre de l'Éducation nationale a dit que l'homme a fait par un yot, qui n'a pas commencé à y. Donc, je veux dire là, est-ce que selon même l'école là, son école a ouvert en deux temps, parce qu'il y a un pile côté là, il y a un pile côté là, l'école n'a pas ouvert à cause de l'homme. Donc, comment comprendre l'ouverture de l'école là? Est-ce que nous-mêmes, nous pour l'école là, l'ouvrir? Mais est-ce que selon même, on estime que l'école là, lui-même, ni normal là, pour l'ouvrir dans le contexte que nous là, je veux dire, face avec la situation pays à faire ça? Non, comment je vais dire, sinon que je veux dire, on en a parlé à petit l'école ouverte. Lycée firmé, lycée des jeunes filles, trois qu'à l'école, il y a des gens qui ont dormi là-dedans toujours. Ça veut dire que l'école ne va pas ouvrir. Trois qu'à côté de monsieur Axamio, l'école va ouvrir. Alors on va dire que pour sonder l'école ouverte, on va dire que nous avons l'école ouverte. Tout le monde connaît l'école. Et même côté en province, par exemple, où est-ce que l'école ouverte, pas de banc, pas de craie, pas de table. Même tout ça, littéralement, je dis. Beaucoup de mal écrit les fonds cochons dans le commune aux eaux. Pas de banc, non? Pas de même table, pas de non? Vous avez dit que vous avez un livre. Comment vous avez dit que vous avez un livre, vous avez un bon, et puis encore vous avez mangé pour l'école. L'école là sans manger. Professeur à l'école là lui-même sans manger tout. Ça, c'est, pense que c'est une série de diversions qui a créé. Ou du moins, il y a un rapport pour le bail blanc, et puis il y a un bagage. Donc, je vole 9 milliards de pour vous venez tout, que vous allez voir sous cash, sous mon cash, sous mon cash, vous allez voir tant pour chaque monde. Comment on a besoin de vérifier que vous voulez pour mieux? Ok, même si vous voulez pour 10 000 monde, c'est reste comme là, ça vous fait avec. Qui transparence qui est dans 9 milliards, vous avez à côté vous fait? Insécurité, c'est insécurité, en passant ces bases, tout bagaille qui cause tout bagaille impossible dans le pays. On parle qu'à un pays, sous une insécurité, sous une instabilité. Haïti, c'est un illié, nous avons presque autant de kilomètres de plage que la France. Ça veut dire une des plus belles plages qui est à pile côté. Donc, si nous prenons, nous avons fait un gros développement industrie touristique là en Haïti. Si nous prenons, nous avons fait manger pour tout le peuple, nous n'avons pas besoin d'importer un rien. Il suffit que nous fassions éducation pour nous apprendre à les manger, ça produit en Haïti. Nous disons qu'on a sylvé la manger et ça qui est importé. Et pour nous apprendre, tout pour l'État qu'on est, il faut que nous protégions l'agriculture. Pendant l'année qui a dit nous, c'est Bouddha ouvert, tout doit ouvert, tout produit entré, nous ne pouvons même pas voler dans la gagne. Même si nous ne pouvons pas aller. Nous avons deux voies pour nous protéger les paysans. Je décapitalise les paysans. Les paysans ne peuvent pas vivre dans la section communale, pas dans l'école, pas dans l'hôpital, pas rien. Tout le monde est obligé à quitter à Port-au-Prince, à la grande ville. Nous avons l'État conséquent qui croit dans le pays, croit en Haïti pour fondre Haïti. Et la faire. Très bien. Et sénateur, nous souhaitons qu'avant 17 octobre, parce que je veux dire seulement 6 octobre, il y ait plus de démarches qu'a fait, ou bien plus d'arrangements qu'a fait pour le mouvement les plus bien structurés. Et je pense qu'il va passer pour qu'il y ait un public là, on est très très occupé de tout côté, mais qu'il va passer un petit feedback de comment va gagner. Et pour je veux dire, nous voulons quitter ou aller, parce que vous parlez suffisamment et vous faites connaître, vous soutenez plusieurs réunions. Second dernier mot pour le peuple là, je veux dire, qui ça la pire? Je dis au peuple là que l'espoir Haïti c'est sous le lit, c'est sous le peuple là. Pas aucun leader qui a changé Haïti si le peuple là va camper des dolls. De sa ligne, madame, qui a privé ça, fait ça, le fait, si le peuple haïtien va camper avec elle, et pour qu'elle fasse sacrifice. Donc, ce même ça, Haïti, nous sommes toutes petites lits. Pour nous, chaque fait ça, nous avons fait là. Ça qui a dans l'arrière, là, dans l'arrière. Ça qui a des amis, quoi, pour encourager le monde, pour pouvoir faire du fait. Mais nous toutes, supposons mettre maintenant dans la patte là. On ne va pas attendre le réveil. On ne va pas regarder qui ça, Philippe a fait, qui ça, Jean-Pierre Joseph a fait, qui ça, ministre a fait. On nous encourage mon yo pour aider mouvement. Pas pour mon qui baille message, mais pour message là même, pour Haïti même. Nous comptons sur nous, sous diaspora, qui c'est nous-mêmes qui moteur Haïti, Québec Haïti, qui a voué quoi pour famille, pour amis chaque semaine, pas là avec eux. Dieu, c'est pas parce que nous voulons $20 pour nous oublier Haïti, pour penser au bien. Fais voir sa vidéo. Et voilà, nous sommes tendés Guy Philippe, qui lui-même, qui t'a baille position. Et Jean-Baye est là. Si Guy Philippe était au pouvoir, eh bien, Guy Philippe lui-même, il t'a guetté résoudre problèmes avec pays voisins. Parce que Guy Philippe, lui estimait que ministre Dominique Dupuis est à supposé bailler ambassadeur dominicain, ballon 48 heures pour quitter pays. Déclarer le persona non grata parce que Jean Bagay est là. Si l'État haïtien, si dirigeant haïtien, yo,
yo perdu contre la situation, eh bien, gon bagay qui suppose fait, gon bagay qui doit fait. Et, m'gen yon intervention extrêmement intéressant, m'gen yon Dr. James Joseph, qui lui-même, lui fait une approche extrêmement intéressante sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Parce que, journée aujourd'hui, République Dominicaine, Jean République Dominicaine, Jean Dominicain, yo appelé là, gon marché pressé, campagne anti-haïtien. Et si nous avons regardé la réalité, il y a un pile haïtien qui a allé en République Dominicaine, c'est pour mauvais la vie. Le Haïti te gen sécurité, même pour un minimum, moun yo te rete vivre dans le pays. Yo. Moun yo te stable dans le pays. Yo. Même République Dominicaine, ça, Zamak bal passe la kay li vin jwenn bandi. Même Dominicaine, ça, qui n'a confié l'eau avec bandi, qui n'a confié l'eau avec oligak corrompu, ou ap gade comment yo ap humilié, comment yo ap maltraité, comment yo ap mette et ressorti sa haïtien yo, comment yo ap mette yo non indignité totale. Ministre Affaires étrangères là, l'hypothé instance internationale qui nan question droit moun, l'hypothé yo plainte sous traitement haïtien pour recevoir en République Dominicaine. Maltraitance yo a fait sous haïtien en République Dominicaine. L'hypothé plainte pour yo. Mais kounye a Dominicain yo réagi. Yo réagi comme quoi et sous besoin, sous parler Dominicain déporté haïtien, c'est mettre l'ordre la caillou pour la caillou gen sécurité pour citoyen carré de vivre dans pays ou. Donc l'important pour pays nous gen l'ordre. Mais c'est pas parce que la caillou pas gen l'ordre pour un haïtien jeter la vie million l'autre côté pour n'a humilier, maltraiter le comme ça. N'a regardé ça Donald Trump a fait dans campagne avec dossier Haïti, dossier haïtien dans Springfield, ça bah terrible. Hier encore Donald Trump l'utiliser haïtien dans campagne, l'utiliser et dossier haïtien pour continuer monter côte de popularité. Son réalité ça haïtien a subi de yon pays. Sans ne pas même parler de compatriotes nous qui dans Turquie, dans Brésil et dans Chili etc. Problème yo tout partout, problème yo tout côté. Nous gagnons en vidéo qui rive joine moi là en réaction avec déportation massive yo, et bien gagne compatriotes nous yo qui l'autre bord frontière la caï voisin matin qui décidé attaquer convoi yo, attaquer et camion déportation yo pile coutroche tiré en nous suivant ensemble avec qui j'en ça. Regardez. Il wash ta pied. Et puis pour l'autre groupe qui est en bas dans la lumière ou ça. Vous faites plusieurs groupes. Attends là, il s'est emmené. Regardez. Kounia, là nous, eh bien, ça, question pour nous poser tête, nous. Est-ce que ça va pas fragiliser davantage situation yo l'autre bois? Est-ce que bagay la pa pral mettre l'huile sous du feu? Comportement ça, est-ce que pa pral mettre l'huile sous du feu? Là y a calonné machine pa briller, yo gen soldat, yo gen garde dominicain là-dedans, c'est qui réaction? Est-ce que bagay la pa dégénérer plus? Est-ce que nous comprenons? Donc l'important en dépit de toute situation, c'est dirigeant yo qui pour prendre bon comportement yo qui pour faire respecter pays nous, qui pour faire respecter nous. Si nous gen dirigeant sans caractère, sans colonne vertébrale, qui pas fait job population, qui pas fait service peuple haïtien, c'est tout normal pour l'autre pays pas garder nous pour rien. Mais coup dirigeant nous yo conformé yo rentré dans ligne, c'est intérêt pays y a défendre, c'est intérêt peuple haïtien y a défendre. On ta bay dominicain yo l'argent pour maltraiter haïtien pas capable. Parce que y a connait le ça nous gon dirigeant caractère. Nous gen entreprise qui a fonctionné la kay nou. Nous ka produit la kay nou, agriculture nou, tout bagay géré, tout bagay on pointe et puis Dominique a fait fréquent, a fait fréquent tout. Mais là c'est nous en bas oui. Mais malgré nous en bas, faut que nous toujours goumé. Faut que nous toujours goumé pour nous reconstruire tête nous, pour nous reconstruire la kay nou, pour nous reconstruire pays nou. Parce que Dominique yo franchement n'a regardé. Liberté ça Dominique yo prend. C'est faute dirigeant sangouin, dirigeant malhonnête qui mettait Haïti côté li là. Compatriotes haïtiens frères c'est là n'a mettez un bout dans émission pour jodi an. Et restez connecté à channel là. Jodi an c'est 8 octobre et nous gagnons un message important que équipe révolution
équipe plateforme politique Guy Philippe Lafrain et au bon message pour faire passer demain n'a pas connait dans boti mamit qui ça message en est le arrivé sous nous restez connecté avec channel là merci tout le monde à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Vous êtes haïtien, vous remez pays, et bien, on agit. Mon éditorial, entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi, mon éditorial, vous dites tout. Mon éditorial, et bien, sur mon éditorial, il se passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique, comme dans les pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si nous l'avons dit pour vivre votre petit depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paul, là, pour qu'il y ait informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous allons faire des bases, c'est toujours même Yannick Lan, même voix.